11 cancres sur le terrain aujourd'hui. On était à 11 contre 9 et on n'a pas gagné. Bravo. On va faire une liste pas très exhaustive des fils de pute dans cette équipe. Costil, t'es une grosse salope. Marcelo, tu es aussi une grosse salope. Mensa, tu es une grosse salope. Fran Sergio, tu es une grosse salope. Wang, tu es une grosse salope. Mara, je t'aime bien. Franchement, t'as fait un beau match, merci. T'as été l'un des seuls qui m'a convaincu. Elise, tu es une grosse salope. Guilavori, tu es une grosse salope. Ignatenko, tu es une grosse salope. Grigersen, tu es une grosse salope. Tu es une grosse salope. Tous leurs défenseurs avaient pris un carton rouge. On n'arrive pas à marquer un foutu but. Putain, à quel moment on n'est plus une équipe de foot, frère? On n'est plus une équipe de foot. Même en Ligue 2, on peut pas. En Ligue 2, ils joueront pas à 9, hein. Ils joueront à 11. Et après, la meilleure idée qui est venue à l'esprit de Guillaume pour égaliser, c'est de faire rentrer le beau, l'unique Mbanyang. Putain! Mais déjà, si t'es pas pour Bordeaux, faut le dire. Hein. T'inquiète pas, on a plein d'autres entraîneurs qui voudraient être à Bordeaux. Non mais là, c'est une honte. Dilrosun, t'es une salope aussi. Bon, Nyang, j'ai pas envie de... Voilà, vous savez ce que je pense de Nyang. Le petit jeune qui est rentré, je me rappelle même plus de son nom parce que ça m'a tellement saoulé. Il est percutant, mais alors qu'est-ce qui me pète les couilles? Y a rien à dire, on a une équipe de salopes, on mérite d'aller en Ligue 2, même si vous voulez... Enlevez-nous tout, enlevez-nous Guilavogui, enlevez-nous Ignatenko, enlevez-nous Amedodic et laissez-nous les Ricardo Mangas. Laissez-les-nous. De toute façon, on va voir ce qu'on va rester. On va voir ce qui va rester de nous. Je sais plus parler. Mes frères, je viens de regarder le pire match de ma vie. On avait 80% de possession à la deuxième mi-temps et puis on n'arrive quand même pas à marquer un but. Ils sont à 9, on était 3 de plus dans la surface à chaque fois. On est pire que quand on avait Petkovic. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Petkovic, ils ont attaqué les journaux de Bordeaux en justice pour non-paiement de salaire. Est-ce que ça m'étonne? Est-ce que ça m'étonne dans les clubs de Gérard? Est-ce que ça m'étonne? Pas vraiment, vraiment, là je le crois. Je suis le juge, je lui donne l'argent. Et à mon avis, là, on va redescendre sportivement, ça doit faire... Ça fait un bail qu'on n'est pas redescendu sportivement, hein. Ça doit faire 60-70 ans, quoi. Et en plus, je vais arriver, là, je vais être tout content à l'école, puisque j'aurais plus vu ce match de merde. Enfin, si, j'aurais vu, mais... J'aurais commencé à l'oublier et on arrive, on fera et 2-0. Hein. Le seul top de ce match ayant été les supporters qui, je trouve, à mon avis, sont beaucoup trop gentils. On devrait arrêter de donner du crédit à ces falandrins. Je sais pas ce que ça veut dire et je pense que ça veut rien dire. Mais oui, on doit arrêter. On doit les siffler dès l'entrée des joueurs là. On doit les siffler au moment où on annonce l'équipe. On doit les siffler au moment où ils entrent sur le terrain. On doit les siffler. Au moment où ils en sortent, on doit les siffler. Quand ils touchent la balle, on doit les siffler. Et si on peut ne pas venir, on ne vient pas. Voilà. Voilà. Pour moi, jusqu'à la Ligue 2, ça sera ça. Et quand on sera en Ligue 2, là, on pourra recommencer à rebâtir un truc avec les joueurs. Mais ces joueurs-là, ils nous prennent pour des cons. On va les prendre pour des cons. Enfin, moi, c'est ma philosophie de vie. Là, je trouve qu'on a été beaucoup trop gentils. On a mis plein de fumigène, plein pour montrer. Et puis Costi, l'espèce de gang crignole. Le mec qui revient, il fait exprès de laisser passer les buts. Mais mettez Poussin en rouillard. Hein. Eux au moins ils se donnent, eux au moins ils aiment bien le club quoi. Parce que Costi de toute façon il a la tête, je sais pas, hein, je sais pas où, avec qui il discute, mais il discute sûrement pas pour prolonger. Hein. Allez, salut. Et j'espère que Costi ne sera plus jamais sélectionné en équipe de France. Bon, si vous en êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, je vous demande jamais d'habitude, mais bon là on sait jamais. Pour me réconforter de voir ce match de merde. Non, surtout dites ce que vous avez pensé de ce putain de match en commentaire, parce que là... J'en peux plus, frère. Juste aidez-moi. Je suis votre psy. J'ai vu qu'une vidéo de moi, sans que je persécute Fran Sergio, n'existe pas. Fran Sergio, tu es une grosse chiasse de pingouin de merde.